Alors, dans Soaï, donc Fabrice te dit d'où tu viens et d'où tu viens, Romain. Ben en fait, quand Fabrice il dit cette phrase-là, c'est justement ça résume très bien le petit clip qu'on avait vu juste avant. C'est même si tu prépares un championnat du monde ou juste que tu vas grimper, le but du jeu c'est de grimper. Il y a rien d'extraordinaire. C'est juste tu prends la prise et tu vas à celle d'après. C'est démystifier tout ce qu'il y a autour. Démystifier au point qu'on peut venir de Saint-Étienne et finir champion du monde d'escalade. Mais voilà, il y a un mot qu'on utilise beaucoup dans la BD, c'est un peu le mot-clé de la BD, c'est équanimité, c'est-à-dire que tout a la même valeur. C'est-à-dire que tu grimpes sur un championnat du monde à Chamonix ou que tu as des chaussettes jaunes, ça doit être la même valeur affective pour toi. Et du coup, bah, c'est un peu tout le travail qui a été fait, l'un des gros travaux qui a été fait avec Fabrice, c'est justement que. Voilà, que ce soit sur la place du Mont-Blanc, là, avec 20 000 personnes, ou tout seul dans ma cave à Saint-Étienne, c'est pareil, il faut prendre la prise et aller à la suivante. Voilà, D'accord. Mais alors, avant d'en arriver aux prises, donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ta vie, du début de ta vie? T'es né à Saint-Étienne, et comment t'es arrivé à Chamonix alors? Eh ben, c'était un. Étant né à Saint-Étienne, moi je voulais faire du foot. Mes parents ne voulaient pas que je fasse du foot. Donc du coup ils m'ont fait essayer un peu tous les sports qui passaient et ça n'a jamais trop accroché jusqu'au jour où mon père m'a inscrit à l'escalade et du coup je suis allé faire la première séance pour lui faire plaisir et puis j'ai jamais arrêté. Voilà. Et puis du coup voilà, après j'ai fait au collège où j'étais j'avais la chance d'acquérir un sport études d'escalade et du coup bah, là, après j'ai venu au lycée à Chamonix pour continuer mes études avec le sport études et puis après je suis resté à Chamonix. Voilà. Pour faire court et simple. Et ça, c'est raconté dans ce roman graphique qui s'appelle Soaï. Mais Soaï, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un très gros caillou, je crois. C'est aussi un film. C'est aussi un livre. Donc c'est un peu multifacette, ce Soaï. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces trois choses? Du gros caillou, du film, en quelques mots, du projet global. C'est une longue histoire. En fait, du coup, moi, j'étais à Saint-Étienne, j'étais un grimpeur qui faisait que de la salle. Je suis arrivé ici où j'étais dans un objectif 100% compétition, donc où je faisais que de la salle. Et un jour, j'ai rencontré un grimpeur qui s'appelle Fred Rowling, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un ancien très fort grimpeur, qui est le premier grimpeur français à avoir fait du 9A, le premier grimpeur au monde à avoir fait du 9B, 20 ans avant Adam Ondra. Et donc, du coup, voilà. Et j'ai rencontré ce grimpeur qui habitait à Saint-Pierre-en-Faucigny. Et puis on a grimpé un petit peu ensemble, et puis il m'a dit bah, si tu veux, moi je pars aux États-Unis faire un trip, ça te dit de venir avec moi? Et alors du coup, je dis bah ouais, ça peut être cool. Et du coup, il m'a amené à Joshua Tree dans ce parc où il y a ce fameux bloc qui s'appelle Soaï. Et lui, c'était son objectif, c'était de faire ce bloc-là. Donc c'est un bloc qui fait 13 mètres de haut. Donc voilà, c'est. Plus que les blocs habituels, beaucoup plus que les blocs de Fontainebleau. Beaucoup plus que les murs même de bois. Et du coup, je l'ai pas fait, je l'ai pas grimpé du tout parce que j'étais trop apeuré, mais je l'ai paré et accompagné dans son projet le plus que je pouvais du sol. Et puis on a grimpé là-bas et je trouvais cet endroit tellement magnifique, je me suis dit que je reviendrai un jour. Et voilà, peut-être 10 ans après, je suis retourné pour faire ce bloc-là. Pourquoi tu y es retourné? Pourquoi 10 ans après? Pourquoi à ce moment-là? Parce que voilà, j'avais mes compètes, ça se passait pas comme j'avais envie. Il fallait que je trouve quelque chose pour avancer. Et voilà, cette idée a mûri dans ma tête de retourner à Joshua Tree, de faire mon petit pèlerinage que j'avais tellement aimé à cet endroit-là. Je me dis, bon, voilà, il faut que je retourne dans cet endroit que j'aime tant. Et voilà, du coup, de là est venue l'idée de faire ce bloc Soaï. Et puis voilà, après de fil en aiguille, on a fait un film autour de ça, de ce voyage. Et puis après, vu que le film avait très très bien marché, que les gens avaient aimé le film, on s'est dit bah, pourquoi on n'en ferait pas une BD. Et puis on est venu toquer à la porte de Guérin, et voilà. Et ce livre, Soaï, est né. Et alors, dans ce livre, tu racontes un autre voyage, enfin, tu racontes plusieurs, hein, en Nouvelle-Zélande, etc. Tu en racontes un en Afrique du Sud également. Et tu évoques un petit peu Nelson Mandela, voilà, indissociable de ce pays. Et je voulais te soumettre une citation de Nelson Mandela qui n'est pas dans ton livre, mais qui est assez connue, et qui est « Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la capacité de vaincre sa peur. » Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et comment tu te débrouilles, toi, avec la peur?
Oh bah moi je suis assez radical là-dessus parce que si j'ai peur j'y vais pas donc du coup mais d'un côté il y a deux sortes de peur quoi. C'est la peur où il y a un risque où on peut réellement se mettre en danger et puis la peur plus psychologique ou la peur que tu peux avoir en compétition ou la peur de pas réussir. Mais là, c'est plus un combat avec toi-même et là, du coup, c'est plutôt le jeu qui est intéressant en compétition, quoi. Donc cette peur-là, elle ne t'arrête pas, cette deuxième peur? Non, ouais. Au contraire. Ah. Le frisson... Ben non, bah, après, voilà, je pense que tout le monde va dire la même chose. En compétition, tout le monde est en alerte maximum et tout effrayé, mais on y revient quand même à chaque fois, quoi. Donc du coup, c'est qu'à un moment, on y prend plaisir et qu'on a envie de défier cette peur-là, quoi. D'accord, très bien. En tout cas, tu n'as pas eu peur de faire un deuxième livre. C'est que ça a dû pas trop mal se passer sur le premier. Et dans le deuxième, donc, ce livre d'ingrédients divers, entre autres ingrédients, on trouve ce que tu as eu la très bonne idée d'appeler des autopsies. Alors, ces autopsies, elles peuvent consister en des temps d'introspection, par exemple. Alors, par exemple, le premier, qui débute à la page 13, il s'appelle Big Mac ou Sushi. Et dans cette autopsie, Romain pose des questions au lecteur. Je propose que ce soir on pose des questions à Romain. Voilà. S'il est là, voilà, c'est amusant de poser des questions au lecteur, mais c'est aussi amusant de poser ces questions à l'auteur. Alors, Romain, c'est des questions très brèves. Hein. Romain, bloc ou voix? Voix. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas, il ne demande pas pourquoi. Mais là, c'est moi qui demande. Non, parce que bah, c'est dur de dire, mais ça varie en fonction du moment, mais actuellement, voix. D'accord. Parce que j'ai arrêté les compètes depuis un an et je retrouve l'amour en fait de grimper en voie juste sans me poser la question si je suis bien, si je suis pas bien, si je suis fort ou si en quoi il faut que je progresse, juste de grimper. Et du coup, ce temps-ci, je m'amuse vraiment en voie. Voilà, tout simplement. Très bien. Iron Man ou Batman? Ah, celle-ci, c'est la plus dure. Je dirais quand même Batman, un peu moins extraverti. D'accord, Batman, un peu moins extraverti, très bien. Légumes ou muffins? Muffins. Vraiment? Vraiment? Ouais. D'accord. Sauna ou douche froide? Sauna, sûr. Pourquoi? Il fait trop froid, les bains froids là. En fait, pour la petite histoire, au Pôle France à Voiron, donc ils ont un truc de bain froid, un cycle de bain froid de récupération. Et du coup, c'était horrible, quoi. C'est entre 5 et 6 degrés et il faut se plonger entièrement dedans pendant 7 minutes. Et je pense en 5 ans, je suis jamais arrivé à rester le temps. Du coup, à la fin, j'avais réussi à avoir une dispense d'ancienneté où j'avais remetté que les bras comme ça. D'accord. Voilà. Alors que le sauna, je trouve ça bien. Le sauna, t'en parles plus ou moins dans le livre, ce serait même bénéfique Bah, le bain froid aussi, mais après, voilà, c'est plus une question de. Je pense de personnes qui sont plus aptes à supporter le froid qu'à supporter le chaud. Ouais. Donc on en revient à cette idée de tout le livre qui est qu'il faut s'adapter à chaque individu, qu'il n'y a pas de recette pour tout le monde en fait. Ouais, si, parce que moi j'aime pas les bains froids, que c'est pas bon quoi. Voilà, c'est... Mm-hmm. Mais des personnes qui n'aiment pas les bains froids peuvent aussi s'écouter. Et... Exactement. D'accord, très bien. Et Scratch ou lacet? Scratch. J'imagine qu'on parle des chaussons d'escalade. Ouais. Hein, et pourquoi Scratch? Bah, parce que c'est plus facile à enlever. À enlever, hein. Bah, en fait, en escalade, on est tout le temps en train d'enlever, mettre ses chaussons. Et du coup, si t'as les chaussons en lacet, tu passes 5 minutes à serrer ton chausson, faire ton lacet, tu fais un essai de 30 secondes, tu renlèves tes chaussons. Que le scratch, ça va plus pratique. Mais certaines personnes, je sais pas si c'est le cas des grimpeurs qu'on a dans la salle, certaines personnes disent que le lacet permet d'ajuster plus finement. Ça dépend encore une fois des grimpeurs. Et des pieds. D'accord, d'accord. Ça dépend des grimpeurs. Et de la pratique. Ça dépend. Très bien. Alors, une dernière question. Pourquoi est-ce que tu commences ton livre par ce retour vers soi? Pourquoi tu commences par suggérer au lecteur de se poser ces questions-là? Ben, je trouvais cette idée de test très à la fois rigolote. Du coup, ça détendait un peu tout le monde sur l'idée du... l'autopsie ou c'est fait un peu sérieux, on va ouvrir et voir ce qui se passe à l'intérieur. Et mais du coup, je trouvais ça d'une façon un peu rigolote de commencer à se poser des questions, de dire bah voilà, justement comme je disais, entre Batman et Superman, qu'est-ce que ça peut être la différence? C'est deux super-héros milliardaires, qu'est-ce qui peut faire la différence entre l'un qui est plus
extraverti de jour avec des paillettes et l'autre qui est sombre et qui sort que la nuit, quoi. Voilà, c'était... D'accord. Et c'est important pour aboutir à un entraînement qui nous convienne de se poser voilà, encore une fois, ça, chaque détail, ça va dépendre de qui tu es. Donc pour adapter à qui tu es, il faut savoir qui tu es, quoi. Tu peux pas dire je n'importe quoi. Il faut sortir, faire la fête et crier devant tout le monde, regarder comme je suis beau et fort. Mm-hmm. Si t'es quelqu'un d'introverti et que t'es mieux tout seul dans ton coin, voilà, ça peut pas marcher. Du coup, il faut. Et ça peut jouer aussi après. C'est un tout. Si tu fais pas ce qui se correspond, ça marchera pas de toute façon. Voilà, c'est peut-être ça. Si tu fais pas ce qui te correspond, ça marchera pas. D'accord. Et alors, les autopsies, elles passent aussi, mis à part ces temps d'introspection, il y en a plusieurs, hein, je vous ai donné un exemple, mais il y a différents. Elles passent aussi par des rencontres avec des grimpeurs et des professionnels de l'escalade. Donc, à tout hasard, j'ai pris Adam Ondra. Alors peut-être la personne qui connaît mieux Adam Ondra ici, je pense que c'est toi, Romain. Tu peux nous dire un peu qui est Adam Ondra et qu'est-ce qui, pour toi, fait son originalité ? C'est clairement l'un des grimpeurs les plus forts du monde, si ce n'est le plus fort. Actuellement ? Actuellement. Mm-hmm. Mais enfin, même si tu prends ceux des années précédentes. D'accord. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a toujours fait impressionner chez Adam, c'est que c'est un grimpeur extrêmement doué. C'est que sans s'entraîner naturellement, il va faire un EFA tous les jours en se réveillant. Mais ça lui a pas suffi, il a voulu plus. Donc il a mis en place tout un entraînement, tout un professionnalisme vraiment rigoureux pour être encore plus fort. Mm-hmm. Et naturellement, il était déjà plus fort que tout le monde et il a eu toute une démarche pour être encore plus fort. Et je trouve ça très... La plupart des gens sont très peu doués et travaillent beaucoup pour rattraper ceux qui sont doués. Et lui, il était doué et il a fait la même démarche. Quoi. Donc, je trouvais ça très intéressant. C'est ce qui fait en foot, ce qui peut faire la différence entre un Zidane, un Ronaldo, qui ils sont extrêmement doués, mais qui travaillent à l'entraînement plus que tout le monde. Mmh. Et d'autres qui sont juste doués, mais qui font que passer. Quoi. Maradona. Alors, Adam Ondra, donc, qui est un grimpeur tchèque, hein, par ailleurs, voici ce qu'il dit quand on lui pose la question: quelles sont les principales différences entre l'entraînement pour la compétition et l'entraînement pour des projets en falaise? Puisque lui fait les deux. Hein. Donc voici ce qu'il répond. Si j'ai un projet en falaise, j'essaye au maximum de grimper dans un style très similaire. J'ai conscience qu'il est toujours important de continuer de grimper sur du vrai rocher, au moins une fois toutes les deux semaines, pour conserver les sensations. S'attaquer à des projets extérieurs reviendrait plus à ce que l'on fait en bloc. On grimpe le bloc, on se repose, on grimpe un autre bloc, on se repose, etc. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup d'endurance pour faire ça, mais plus de puissance. S'entraîner pour les compétitions est très différent. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'endurance et de résistance. Les voies sont très intenses et il n'y a pas beaucoup de repos. Mais en même temps, on ne peut pas simplement grimper rapidement et essayer de sprinter aussi haut qu'on peut. Arrivera inexorablement le moment où on n'aura plus de jus et il faudra résister pour continuer encore et encore et tirer avantage des moindres positions de repos. Pour le bloc en compétition, le style d'escalade n'est pas du tout le même. Il demande tellement plus de dynamisme, de puissance et d'explosivité, alors que le plus important pour les projets en extérieur, ce sont les doigts. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit ? Ouais. Et est-ce que... Parce que lui, il grimpe aussi à l'extérieur, il arrive à faire les deux. C'est pas si fréquent que ça ? Il arrive à faire les deux, mais il fait pas les deux en même temps. Si tu regardes un peu plus précisément ce qu'il fait... Quand là, les deux dernières années où il s'est mis à fond pour se qualifier aux Jeux Olympiques et à ce projet de médaille olympique, il est très peu, voire plus du tout en extérieur. Du coup, il mène pas les deux de front en même D'accord. temps. Si on prend Alexandre Mégos, là, qui est aussi l'un des grimpeurs très forts, c'est pareil, quoi. Il fait soit l'un, soit l'autre. Il est fort dans les deux, mais il n'est pas à fond dans les deux en même temps, quoi. C'est pas possible. D'accord. Et toi, du coup, tu as plutôt privilégié l'intérieur, ouais. L'escalade en intérieur. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais ni le temps, ni l'énergie, ni les capacités à mener deux projets de front en même temps. Quoi, du coup, Ou à les alterner comme eux font ? Voilà, je partais de beaucoup plus loin qu'eux et il fallait beaucoup plus d'entraînement. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que maintenant, tu penses que... Tu pourrais aller plus vers l'extérieur éventuellement ? Oui, maintenant il y a plus ce calendrier très précis de la compétition avec des deadlines très
fixé. Maintenant, tout est possible de toute façon. Encore une fois, le temps n'est pas... Il n'y a rien de précis et tu n'as pas de voix là, dans le massif du Mont-Blanc en tête. Ah, dans le massif du Mont-Blanc, c'est sûr que non. Pourquoi? Je ne fais pas du tout de grande voix, pas de voix. De... Je fais que de l'escalade sportive, en tout cas. C'est là que je m'éclate. Et ça restera. Voilà. D'accord. Très bien. Et alors, tu... Parmi ces rencontres avec les grimpeurs et professionnels du monde de l'escalade, il y en a une aussi qui m'a intéressée, qui est une rencontre avec Pascal Athanas-François, donc qui est kinésithérapeute. Oui. Qui a été ton kinésithérapeute, peut-être ? Oui. Ouais, d'accord. Et alors, voici ce qu'il dit. Pascal Athanas-François. Se connaître, savoir écouter son corps et le respecter. À n'importe quel niveau de pratique de son sport, on doit pouvoir se faire un petit scan matinal pour apprendre à ressentir les messages de son corps et ainsi adapter son entraînement à son autodiagnostic. Il est bien évident que l'on parle de quelqu'un de motivé qui sait pourquoi il s'entraîne. Je recommande également aux grimpeurs de respecter les signes d'alerte et de respecter les temps de repos. Un travail spécifique en excentrique demandera par exemple plus de repos qu'un entraînement habituel. Le petit claque finit souvent par une grande claque. On sait que le sportif de haut niveau est toujours à la lisière du surentraînement. Et c'est bien là qu'il faut être vigilant. Car les blessures sont plus fréquentes sur un corps fatigué. Soit parce que le corps est mal préparé, soit parce que la technique est mal assimilée ou que l'esprit est défaillant. D'où l'importance, selon moi, de combiner les compétences du thérapeute, de l'entraîneur et du préparateur mental pour entretenir l'unité de ces trois voies. Dans le fond, tout cela pourrait se résumer à trouver l'équilibre. Avec une balance à trois plateaux, inspiré par un principe développé dans les arts martiaux qui s'appelle le Shin-Shi-Tai, c'est-à-dire l'esprit, la technique et le corps. Ça te parle ce qu'il dit là ? Ah bah oui, carrément, c'est pas pour rien que je vais l'interroger lui. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé travailler, donc c'est le kiné de l'équipe de France depuis une vingtaine d'années, du coup on a passé pas mal de temps ensemble, et j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui parce qu'il a pas un côté, il travaille pas mécaniquement. C'est-à-dire que si tu lui dis que tu as mal au poignet, il va pas prendre ton poignet, te faire craquer le poignet et c'est bon quoi. Il va parler, il va essayer de comprendre plein de choses et tout à la fin tu vas comprendre que si t'as mal au poignet, c'est parce que tu stresses ou parce que voilà, c'est tout un. J'invente un truc tout bidon là, mais il y a tout un cheminement autour de chaque petit bobo qui est pas que mécanique et qui est pas. Alors du coup, des fois dans l'urgence en compétition, il va te mettre un strap pour te faire plaisir et pour le côté mental. Mais quand il va falloir soigner, il va y avoir toute une recherche, toute une quête un peu spirituelle autour de la blessure. Et j'étais assez fan de ce cheminement-là. Et alors, toi, par exemple, tu as eu régulièrement des petits bobos. Tu peux nous en parler concrètement de ton histoire avec les blessures, tant redoutées, j'imagine. J'ai été assez chanceux parce que je me suis jamais blessé. D'accord. Même des petites choses, non ? J'avais toujours des... Ça arrive tout le temps, des petits bobos, mais tu... Des tendinites ? Non, même pas. Des trucs qui te font arrêter juste la séance une heure plus tôt et demain, le lendemain matin, tout va bien, quoi. Mais c'est exactement le... Après, j'ai été bien, bien entouré. Et du coup, je préférais m'arrêter ma séance. Si j'avais moins de petites douleurs, je préférais arrêter ma séance et perdre une heure d'entraînement et recommencer le lendemain comme il faut plutôt que de continuer et d'aggraver la blessure et... Ça, c'est peut-être le conseil qu'on peut donner aux lecteurs de SOAI qui, du coup, n'ont pas cette personne pour les entourer. Voilà, mais c'est ce qu'il dit, quoi. C'est bien se connaître et savoir si c'est une réelle douleur ou si c'est un petit truc qui passe mal. Parce que quand on s'entraîne pour du niveau, forcément, on flirte avec la blessure tout le temps. Comme il dit, pour dépasser ses limites, il faut pousser le bouchon de plus en plus loin. Donc forcément, tu flirtes avec le truc. Et il faut bien se connaître et bien connaître son corps pour savoir... Ou là où c'est un signal d'alerte vraiment sur lequel il faut faire attention et où si c'est rien et que tu peux continuer à forcer sans souci. Très bien. Et alors parmi les ingrédients de soi, il y a ces autopsies hein, et puis il y a aussi des mots-clés parce que c'est aussi un abécédaire façon Romain Desgranges hein, ce livre. Alors, vous l'avez déjà consulté, je vois, alors peut-être que ça va être plus facile pour vous. Mais ce que je vous propose là, c'est... c'est de jouer avec nous. Je vais commencer à vous lire une définition, si vous voulez bien. C'est très peu nombreux, alors c'est le moment de participer. Romain ne dit rien. Oui, je dis rien. Voilà, motus et ça me va très bien. Et quand vous avez la réponse, je vous laisse nous la donner, d'accord ? On va voir si vous avez bien lu, si certains ont déjà mis... On a pas lu.
On venait se faire dédicacer ce matin. Très bien. Bah, alors, du coup, ça corse un peu le jeu, c'est parfait. Alors, donc, on cherche un nom commun, messieurs, dames. L'emblème du Musclor, symbole de virilité et de performance, et auquel beaucoup de grimpeurs vouent un réel culte. J'admets que toute mon animosité... Pardon ? Le biceps. Le biceps, exactement. Le biceps, ça fait partie des ingrédients de l'escalade. Non, j'essaye de démystifier justement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu démystifies ça ? Ben non, mais en plus, avec le confinement, là, ça n'a pas aidé. Et je trouve que beaucoup de grimpeurs se concentrent que sur le nombre de tractions qu'ils arrivent à faire. Mm-hmm. Et je prends cet exemple à chaque fois, c'est que mon record de traction à moi, c'est 13. Mmh. Et à deux bras sur des bonnes prises. Donc, c'est pas un point de... Je trouve pas un mot, mais... C'est pas une caractéristique propre au grimpeur. Faut pas faire 100 tractions pour être fort, quoi. D'accord. C'est intéressant de savoir ça. C'est plaisant de le savoir. Et beaucoup de grimpeurs, voire la majorité, comptent que le nombre de tractions qu'ils font à un bras, deux bras, lestés ou pas de tout ça, quoi. Et pourquoi, alors, pourquoi cette obsession du biceps? Je sais pas, c'est pour avoir avec la mythologie, je pense. Ça va plus loin que ça. Très bien. Ok, alors je vous donne une autre définition. Maintenant, on cherche un verbe. Ça s'apprend. Ce n'est pas simplement crier sur celui qui grimpe, c'est poser les bons mots. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose jouant dans une piscine gonflable », vous allez tous visualiser ce fichu pachyderme en train de patauger, alors même que j'avais dit « ne pensez pas ». Le cerveau ne priorise pas la négation, sa logique est la suivante, il crée l'image mentale avant de la barrer. Aussi, chaque mot et chaque tournure de phrase doivent être prononcés en mode positif, intonation comprise. Ignorer les conseils du genre « tombe pas !»« Ne zippe pas !»« Allez, t'es pas daubé !»« Encore, c'est pas fini !» et remplacez-les par des « accroche-toi, continue !» Au-delà de la sémantique de nos « il y a aussi le timing. Dans un simple moment de doute, le grimpeur peut suivre un conseil en léger différé et s'engager dans une mauvaise méthode ou être incité à s'emballer plutôt qu'à temporiser et à gérer sa grimpe. Et oui, ça s'apprend. Savoir écouter, faire le tri et en tirer un bénéfice fait partie de ces innombrables détails qui ont le pouvoir de vous faire réussir comme de vous faire échouer. Si on l'est pas, vous serez pas... Parfait. Personne n'a une idée du mot ainsi défini. Ce n'est pas crier sur celui qui grimpe, c'est poser les bons mots. Ça commence par un E. Non ? Encourager. Voilà, encourager. Donc tu accordes tout un paragraphe en rouge même dans ce livre à ce terme d'encourager. Qui paraît important. Ben ouais, parce que quand on grimpe, il y a tout le temps tout le monde du monde autour de nous qui nous encourage ou qui nous disent quelque chose, qui nous disent des méthodes ou qui nous disent mais monte le pied, descends le pied, jette et du coup consciemment on traite les informations et du coup faut savoir égrimper avec toutes ces informations qui arrivent. Et à l'inversement, il faut savoir distiller les bons mots et les bonnes... Le plus important, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Mmh. Et du coup, souvent, on entend tout le monde qui encourage « lâche pas, lâche pas ». Oui. Et c'est plutôt « tiens » qu'il faut dire, quoi. D'accord. Et toi, tu arrives maintenant à gérer ça, enfin... Ah bah oui, nous, on est vraiment lobotomisés dans tourner toutes les phrases dans le bon sens, quoi. C'est comme la plus typique, c'est « Ah, j'étais pas loin d'enchaîner », mais dans « pas loin », il y a « pas » et « loin ». J'étais tout proche d'enchaîner, pas loin. D'accord. Voilà. C'est toute une façon différente de penser pour voir pour exprimer la chose positivement et pas négativement. Quoi. Oui, c'est un conseil au-delà de l'escalade, d'ailleurs. Et puis, je vous en donne un dernier qui me paraît intéressant. Gymnastique chinoise, basée sur la réalisation de mouvements lents et de postures maîtrisées grâce au souffle et à une visualisation contrôlée. Tai chi ? C'est presque. C'est pas très ça. L'autre. Il y a le chi, mais pas le tai. Non ? Je continue.
littéralement chi veut dire énergie et travail. Ce travail sur la respiration en lien avec la médecine traditionnelle chinoise est utilisé dans le but d'harmoniser cette énergie et d'équilibrer son flux tout en combattant le stress, en améliorant la souplesse et en développant l'équilibre. À l'image du yoga pour certains, cette gymnastique peut accompagner efficacement et en douceur nos rituels de réveil, une sorte de pré-échauffement pour mettre le corps dans de bonnes dispositions. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre corps est notre meilleur allié. Prenons-en soin. C'est pas le tai chi, c'est le chi... Qigong. Alors, qu'est-ce que le Qigong vient faire dans un manuel d'escalade? Ben ça, c'est clairement quelque chose qui nous a été apporté par Pascal François, le kiné dont tu as parlé tout à l'heure. D'accord. Qui trouvait... donc lui, il est très, très orienté médecine chinoise, massage chinois et tout ça. D'accord. Et il trouvait que bêtement, qu'on arrive dans sa chambre, qu'il s'en s'allonge, il nous fait un massage, il trouvait ça un peu juste binaire, inutile. Et du coup, il a mis en place des séances pendant les compétitions, il nous faisait faire des postures de Qigong justement pour qu'on commence notre récupération en respirant et qu'on prenne en charge la chose plutôt que se poser sur la table de massage avec notre téléphone et se faire masser pendant qu'on geekait tranquillement. Quoi. D'accord. Et du coup, toute l'équipe de France a vraiment adhéré à ça. Et du coup, là, c'est devenu notre petit rituel de réveil, d'échauffement et de récupération en équipe de France. Quoi. Et alors l'équipe de France aujourd'hui, tu en fais encore partie, mais d'une autre manière, puisque tu es entraîneur. Est-ce que tu inculques ça, tu transmets ça aussi j'ai pas besoin que ce soit moi qui le fasse, parce que du coup le kiné Pascal est toujours en place et c'est devenu vraiment dans les routines de l'équipe de France et les jeunes s'y plient avec plaisir, parce que vu que les vieux faisaient ça et que ça marchait, du coup pourquoi on ferait pas pareil quoi. Merci beaucoup. Peut-être que vous auriez quelques questions supplémentaires. On a donné quelques ingrédients, vraiment quelques-uns, hein, les autopsies, quelques définitions. Mais peut-être qu'il y aurait des questions que vous auriez à poser au grimpeur, à l'entraîneur, à l'auteur, Romain Desgranges. Non, moi, c'est par rapport à cette fin de carrière, mais qui ne représente pas une fin d'escalade, bien sûr. J'imagine bien qu'on se remet à grimper peut-être avec... un plaisir un peu renouvelé quand on a moins l'impression d'aller à l'usine peut-être. Et quels sont les projets dans lesquels vous voulez vous investir en voix? Je pense à Megos par exemple qui a ouvert une bibliographie là, ouais. Céus, ce genre de projet là, ça vous branche? Carrément, c'est forcément des challenges intéressants. Après là du coup il y a eu le confinement où moi j'ai absolument pas pu grimper, j'ai absolument rien fait pendant 3 mois, du coup je repars assez bas dans le... Donc je recommence à m'entraîner vraiment sérieusement, à retrouver du niveau et puis à pouvoir mettre ces projets intéressants plus tard. Quoi. Mais l'idée, ouais, c'était un peu aussi la fin de la compétition, là, c'était vraiment de grimper sans trop se poser de questions, juste grimper pour grimper et retrouver un peu le jeu binaire de l'escalade. Quoi. Après 20-25 ans de compétition où tout était calculé, J'avais envie de juste grimper, pas se dire bah, aujourd'hui il faut que je fasse des voies, il faut que je fasse des blocs, il faut que je fasse. Voilà, et puis voilà, tout là ça commence déjà à me titiller un petit peu, du coup ça va revenir sérieux dans pas longtemps. Du coup voilà. Et aux États-Unis, hein, la fissure à Indian Creek, c'est des choses qui vous branchent? Pas trop, non. Enfin, j'ai jamais fait de fissure. Le peu que j'en ai fait, je comprenais tellement rien que c'était, plus frustrant qu'amusant. Mais pour l'instant, en tout cas, dans les choses qui me plaisent déjà, il y a tellement de choses à faire qu'avant que j'en arrive à la fissure, il y aura du temps déjà. Enchaîner le capitaine en solo, c'est pas au programme. Ah non, définitivement non. Encore moins après avoir vu la vidéo. La vidéo d'Alex O'Neill. Ouais.